Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, dans une vidéo YouTube de son mec Bastos, Belle affirme avoir eu un rapport avec Kevin lors du tournage de la bataille des clans. Kevin a bien sûr réagi en story, je vous laisse avec la vidéo. Je vais prendre la parole par rapport à la vidéo de Bastos qui vient de sortir il y a maintenant quelques heures. Pour vous contextualiser, on a fait un tournage avec la bataille des clans. Il y a une soirée où il y a une personne qui est venue nous voir en disant qu'il s'était passé ci, qu'il s'était passé ça, qu'il s'était passé ci entre elle et une autre personne, qu'il s'était passé ci entre Carla et une autre personne, sauf que c'était totalement improbable que ça soit passé ce genre de choses, car on était tous ensemble et on n'avait rien vu. Je vais citer personne parce que c'est nul. Mais ça a été répété à moi, à Alan, à Bastos aussi d'ailleurs lui-même. Et donc on n'en avait pas tenu rigueur parce qu'on s'était dit, allez, c'était un coup dans le nez, on s'en fout. Ensuite, on a entendu parler de l'histoire avec moi. Donc, c'était la même soirée. En fait, c'est sur la même soirée que, apparemment, des personnes auraient fait ci, d'autres personnes auraient fait ça, une autre personne aurait fait ça, et moi qui aurais fait ça, donc avec elle. C'était la même soirée. Tout ça dans la même soirée, ça commence à faire beaucoup. Du coup, moi, quand Bastos me dit ça, il était très, très triste, et il n'était pas bien. Du coup, je lui demande qu'est-ce qu'il a, et il me dit, ah, il y a ça, ça, ça. Moi, je sais pas trop quoi lui dire, parce que, bien évidemment, je savais pas de quoi il me parlait. Cette histoire, on la connaissait, hein, bien évidemment. Ça fait maintenant quelques temps, 4-5 mois, le tournage, je ne me rappelle plus exactement c'était il y a combien de temps. Et donc, on n'en parlait plus, c'était passé. Voilà, il n'était plus avec Alan, Bastos, il fait sa vie. Bastos, il est amoureux, il est amoureux du moins au moment où il fait cette vidéo. Tu es avec une fille, tu es ça. Qui croit, qui croit pas à quoi? Moi, personnellement, j'en ai rien à faire. Je ne suis pas là à juger qui croit ou qui ne croit pas à ci, à ça ou quoi. Tout le monde a le droit de se faire son avis, tout le monde. Briser des carrières, décider ça comme j'ai pu vous réécrire, c'est pas mon délire. Je fais pas ce genre de choses. En plus, je pense que je ne suis pas dans la capacité de le faire. Par contre, moi, ce que je trouve bizarre, c'est comment, pendant 4-5 mois, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est sorti, de dire qu'Alan c'est une merde, qu'il a trompé, qu'il a ci, qu'il a ça, et que c'est une mauvaise personne tous les jours en disant que c'est un enculé, et que c'est ci, et que c'est ça, pour au final dire après qu'elle, elle aurait fait la même chose, voire pire, avec son cousin. Et en plus, déjà, si tu l'as fait alors que tu dis à ton ex que c'est une merde, tu dis pas que tu l'as fait, déjà de une, je pense, hein, parce que sinon tu dis pas que c'est une merde, si toi tu as fait la même chose. Et en plus, pour dire que c'est vrai, faire un test pour prouver que c'est vrai. C'est fou. Moi, pour moi, cette histoire, elle est, c'est un film. Donc, s'il y a des producteurs ou quoi, franchement, ils peuvent venir. Ça peut être quelque chose de super intéressant. Et franchement, hein, parce que l'histoire, elle est folle. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis à ton ex que c'est un enculé, tu dis que ton ex est un enfoiré parce qu'en fait, il a été proche d'une fille parce qu'il n'a rien eu de plus, donc Alan en l'occurrence, pendant des mois, le rabaisser en disant que c'est une merde et que c'est ci et que c'est ça, alors que toi, tu dis que tu as fait pire parce que tu as fait ça avec son cousin. Donc déjà, je trouve ça fou de dire ça, parce que du coup, ça voudrait dire qu'en fait, c'est pas un enculé parce que tu as fait la même chose. Bref, mais en plus, pour surenchérir, faire un test pour dire « Regarde, c'est vrai, j'ai fait pire que toi. » Donc, à part pour faire chier moi ou Carla, je ne vois pas le but de la manœuvre. Ça ne me touche pas. Non, ça ne me touche pas du tout. Maintenant, que chacun en fasse son idée. Cela m'est totalement égal, clairement. Voilà. C'est dommage. C'est dommage de dire ce genre de choses, parce que... Voilà, parce que ça peut mettre le doute à certaines personnes, quoi, mais quand, encore une fois, je le répète, chacun se fait une idée. Il y a des gens qui disent que Messi, il n'est pas bon au foot. Donc, clairement, je ne suis pas là à vouloir dire oui, non, c'est raison, non, elle a raison, l'autre, il a tort, non, l'autre, si. M'en fous. Strictement, rien à faire. Voilà, mais juste quand même, je trouve ça bizarre. Parce que je ne vois pas le but de la manœuvre. Je ne comprends pas. Bref, sur ce, c'est les fêtes. Bonne fête à ceux qui font les fêtes. Je vous embrasse. Et soyez heureux, vivez heureux surtout.